Estій- Sota dans la zone jeu de société. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, une chose est sûre, ça vous tente d'en apprendre un petit peu plus sur Tiny Epic Viking. Ce jeu qui euh, semble nous... Euh... Je... Vous me direz si ça a le vibe des Vikings. C'est intéressant, mais ça, ça reste un beau gros jeu de, de gestion, euh, un petit peu de gestion de ressources, mais surtout, surtout, de contrôle de territoire. Alors, c'est moi qui commence, même contre mon, mon ami Solo, euh, c'est toujours moi qui est le premier joueur. Euh, donc, première chose. Euh, en passant, le, le jeton, j'ai oublié de le dire un petit peu dans ma. dans, dans mon épisode zéro, mais le jeton que vous voyez ici, d'ailleurs, je, je me suis rendu compte que j'ai déplacé ma, ma caméra. Voilà, juste pour que vous puissiez voir comme il faut le, 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 la carte. Donc, euh, lui, ce pion-là, c'est vraiment pour montrer où est le focus de l'automa euh, pendant, la, pendant la partie. Okay? Ça, c'est bien important. Euh, donc, c'est pour ça que des fois, être le plus loin de lui, ça peut peut-être nous aider. Puis, je pense que... Je pense... J'aimerais bien aller chercher... Euh, Peut-être celui-là, mais il, va, il risque de venir me, me l'enlever. Ce ne sera pas long. D'ailleurs, il, il contrôle déjà le premier N qui est là. Bon. Alors, déjà, premier dilemme. Parce que j'ai beaucoup de gestion de ressources. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller me chercher des ressources avec TrigV. Alors, TrigV, donc ce que je fais, moi, c'est que je mets mes cartes ici. Là, je vais les mettre là. Euh, ça va faire une belle ligne. Alors, je commence par aller me chercher deux ressources. Et je sais que je vais vouloir probablement euh, me placer plusieurs colons rapidement. Donc, je pense que je vais aller me prendre deux nourritures. OK? Là, ce, le côté un peu négatif, malheureusement, de mon affaire, c'est que... Là, maintenant, pour ce qui est de ma, mon action de rune, j'ai pas 3C. Donc, je, faut, je suis obligé de m'arrêter là, malheureusement, pour mon tour. C'est loin d'avoir été optimisé. Fait que là, on va y aller avec notre ami Ottoman. Donc, lui, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on on tourne la carte et on fait ce qui est inscrit dessus. Donc, lui, évidemment, il a des façons différentes de fonctionner. Fait que là, lui, il veut bouger et aller mettre des colons. Lui, il paye aucune ressource en passant pour mettre ses colons, mais il veut aller sur le plus proche N euh, qu'il peut. Donc là, il est présentement déjà sur l'île N. Alors, il veut se rendre ici. C'est drôle, parce que c'est là que je voulais justement me positionner. Il va bouger de 2, mais lui, il va bouger de 2 plus ce qui est inscrit ici. Donc, 2 plus 2, il va bouger de 4. Alors, es-tu capable de se rendre 1, 2, 3, 1. Puis en passant, lui, il ne va jamais dans les fjords. Il va toujours suivre le long. Euh, il, va, il va suivre les lignes et il va se, se promener de part en part. Donc, là, 1, 2, 3, 4, il se rend là. Donc, lui, il veut, il veut se rendre. Donc, 1, 2, 3, 4. Il s'en va là et lui, automatiquement, il va piller la maison, puis il va l'utiliser dans quelques instants. Il y a des ordres dans tout ça et ça se peut très bien que je fasse des erreurs euh, parce que, comme je vous dis, il est très alambiqué, ce jeu-là. Euh, mais quand même. Alors là, lui, maintenant qu'il est allé se positionner là, il va vouloir justement euh, mettre deux de ses colons. Alors il va en mettre deux dessus. Okay. Et en mettant ces deux colons dessus, comme vous pouvez voir ici, là, donc, là, le maintenant qu'il a mis ces deux colons ici, alors je vais prendre la rune et il va automatiquement se la donner. Et quand il se donne une rune, aussitôt qu'une rune change d'endroit, il va augmenter la furie de. de donc là, c'est Tire God of Bloodshed. Et là, après ça, il va regarder est-ce qu'il peut faire l'action la, la, qui est ici Non, il ne peut pas la faire parce qu'il n'y a pas de C. Il euh, n'y a pas de rune C ni non plus sur, son, euh, propre, sur sa propre carte. Alors son tour est terminé. Bon. Eh, je ne sais pas si vous avez euh, vu comme moi, mais euh, monsieur, euh, monsieur est allé prendre exactement ce que je voulais. Donc... Ah oui, j'ai oublié avant, avant toute chose. Avant, lui, il va jouer automatiquement sa... Euh, donc, sa, son village pillé, et il va aller sur la piste qui est là, il va faire donc, euh, il, va, il va jouer l'action sur laquelle il y a de moins de maisons en partant du haut. Donc, là, il va aller ici, il va jouer cette action-là, et l'action qui est là, c'est une action qui va lui permettre de mettre donc un colon sur une île qui touche donc adjacente en suivant la ligne. Euh, où se situe son bateau. Alors il va aller placer et on le prend tout le temps, le colon sur son, euh, sur son plateau quand il y en a. Alors il va aller ici et là il y a un point d'influence gang. Donc il va aller ramasser également cette rune-là et donc on va augmenter la furie de celle-ci. Il commence en force, notre ami. Il commence en force. Là son tour est terminé. Ouais, je ne peux pas bâtir hein, ce tour-ci. Que... Moi aussi, je vais aller, donc je vais, je vais bouger mon bateau. Mais je vais l'arrêter ici. Donc je vais faire un point de mouvement seulement. Vous allez voir, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que je fais ça? Il risque de me le prendre. Non, je pense que je change mon fusil d'épaule. Je vais faire un. Non, je vais faire un. Deux. Je vais aller ici. En allant là, là, je vais laisser la, la, le village là, mais je peux vous le dire tout de suite, je vais le piller. Étant donné que je suis dans la première ronde, ça me coûte un métal. Donc, je vais piller le, le village que je vais mettre dans ma réserve à moi. Lui, je peux l'utiliser quand je veux. Donc, je ne suis pas obligé de l'utiliser tout de suite. Et là, je peux mettre deux colons. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre deux. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux sur le chiffre ici. Mais je dois payer deux nourritures, moi. Hein, parce qu'évidemment, moi, je dois payer tout ce qu'il faut. Et là, je vais prendre possession de cette rune-là. Et là, je vais augmenter la furie de ce dieu-là. OK. Je ne peux pas faire ce qui est inscrit sur la carte parce que je n'ai des... pas deux runes C. Est... Mais si je veux, je peux prendre ça puis faire une action. Et je pense que j'ai déjà... Et là, je peux prendre n'importe quelle. Si, on prend... si je prends celle-ci d'en haut... Euh, sauf que là, celle-ci, pour, pour là, elle est différente parce que euh, pour moi, c'est je dois bouger un de mes, de mes colons. Donc, c'est pas que je le rajoute en partant de mon, euh, de mon plateau, c'est que je dois en bouger un. Donc, je pourrais, si je voulais, en bouger un de là à là. Mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais le jouer tout de suite, puis je vais aller me mettre là. Et je vais. Non, 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 non. non. Je vais aller plutôt construire. Non, je vais aller construire parce que je n'en ai pas. Donc je vais aller mettre mon, mon, la maison là pour faire une, une action de construction. Et avec mes deux bois, je vais aller construire un bateau supplémentaire. Et le bateau, je peux le placer ici, là ou là, parce que je contrôle ce fjord-là. Alors je vais mettre mon deuxième bateau ici. Et le deuxième bateau fait en sorte que quand je vais avoir des actions de harvest, je pourrai me faire un blé supplémentaire. OK. Ouais. J'accepte, j'accepte. Alors, regardons maintenant ce que lui va faire. Alors, lui, il va encore ici rajouter. Ah <laughs> mon Dieu! Des fois, des fois, je me dis que c'est une petite intelligence artificielle. Alors, il va faire comme tantôt. Donc, cette action-là, c'est d'aller placer, encore une fois, deux colons sur la. sur l'île sur laquelle il se trouve, lui. Donc où il se trouve, mais qui est connecté à son bateau. Je veux juste, évidemment, m'en assurer de tout ça. Parce que des fois, on... Ah, je me suis trompé. Voyez-vous, ça commence déjà. C'est lequel, d'abord? Ah, non. OK, OK. Donc, ça, ça veut dire que je me suis trompé tantôt. Ça, ça veut dire que je me suis trompé parce que tantôt, il avait, il avait fait ça ici. Donc, en théorie, il va avoir toute sa, sa gangue de, de colons ici. Puis, il n'aura pas pris le C qui est là. Ça, ça peut peut-être changer quelque chose. Parce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr et certain que c'était un qui était, euh, qui était connecté, mais non, c'est bien écrit. Add one settler. Attendez, je ah, attendez, attendez, attendez. Je ne regarde pas à la bonne place. Instead of moving settlers between adjacent islands, follow the ferry route. Donc c'est ça, j'avais raison. On va revenir avec mon idée de départ. En passant des couleurs, on pas rapport là. Ah, des, 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 fois on, des fois, on est tellement concentré qu'on on, s'imagine. Euh, J'étais sûr que j'avais déjà fait cette action-là. Et là, l'action, elle était très clairement. C'est parce qu'il y a des actions spécifiques également lorsqu ont, lorsque le, les, les jetons vont bouger sur la piste ici de la, de, des ressources. Okay? Donc, tout est beau. Tout est bien fait. Donc, là, il est rendu avec trois personnages-là drôle parce que je voulais... Il y, y en a beaucoup des personnages. Je voulais justement aller là tantôt. Fait que ça va bien. C'est super le fun. Est-ce qu'il peut... Donc là, il a fait son action. Est-ce qu'il peut faire l'action de rune? Euh, ça prend 3F. Donc non, il n'y a pas ça. Fait que lui, son tour va se terminer là. Donc là, c'est à mon tour maintenant. Hey, là, c'est pas... Euh, c'est pas... C'est pas super, là. Parce que là, si je veux... Ok, je pense que je peux le faire. Donc, je vais faire cette action-là. Cette action-là qui me permet donc de bouger un de mes colons. Donc, je pense que je vais... On va profiter de... De peut-être pouvoir éventuellement faire de quoi. En passant, il y a un aspect aussi qu'à chaque fois... Qu'on a plus de colons lorsqu'on en installe que nos adv notre adversaire. Notre adversaire va en perdre un. Là, ce n'est pas le cas. Euh, c'est sûr que s'il vient en racheter d'autres, je vais perdre mon colon qui est là. Ça, c'est un élément que. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Ben, son bateau donne deux. À moins que à moins que je décide d'aller le placer là à la place. Ce serait peut-être plus facile d'aller prendre, prendre celui-là quand il va finir par partir. Sauf que là, après ça, là, je peux bouger et de déplacer deux colons. je peux bouger que de deux. Par contre. Ouais. Hmm. Je Me demande si ça me coûte un pour me déplacer d'un ferry route ou c'est vraiment juste pour les. Je pense que c'est vraiment juste. Euh, parce que là, ce que je t'en ai demandé, c'est si je fais ça, là, c'est-tu un je pense qu'il faut vraiment que j'aille dans un fjord, j'ai pas le choix. faut que je me déplace. Je suis un, je suis un vrai de vrai bateau, moi, là. là. Ouais, c'est ça. Je, je, les, les fjords, les, les, les ferry routes, c'est vraiment juste pour les colons. Donc, si je veux bouger de deux, j'ai pas beaucoup de, de possibilités la seule possibilité que je pourrais avoir c'est de faire un de faire 2, donc d'aller là je vais te poser mes deux colons 1 et ce qui va me coûter deux nourritures mais là on est égal quand on est égal on change ça change rien Sauf que je vais prendre ça, et ça, ça va me coûter un, ça va me coûter un métal. Et là, j'ai plus aucune ressource. J'ai plus aucune ressource. Puis pourquoi je pouvais la faire, celle-là Parce que j'en avais un là, puis j'avais également celle-là, qui me permettait de faire ma, mon action de rune. Mais là, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien. Donc, ça ne me donne rien de faire. Ah oui, hein, si je l'avais mis là, si j'avais mis mon bonhomme, mon settler ici, puis que j'avais fait ça, j'aurais pu prendre mon action de bouger et j'aurais pu aller là et j'aurais pris contrôle. Mais là, en passant, je prends contrôle, j'oublie ça. Oui, je prends contrôle parce que j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre et lui, il y a deux. Donc, je prends contrôle de cette île-là parce que j'ai plus d'influence. Et j'ai Boot Underground, comme on dit en anglais. Et je dois augmenter de 1 la furie de, euh, de Tyr God of Bloodshed. Je pense que je vais la garder. Moi, que je me prenne des ressources, mais je pense que je vais la garder pour l'instant. C'est ce qui va mettre fin. Donc là, voyez-vous, il ne faut pas oublier que c'est à chaque fois qu'on finit une action, de notre côté, c'est là qu'on vérifie si on contrôle un, une île. Euh, et c'est comme ça que moi je l'ai compris. Parce qu'il y a tout un aspect de timing qui n'est pas toujours clair à 100%. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que tu termines, toi, un, une, une action, que ce soit une action principale ou une action de rune, tu peux vérifier, voir si tu contrôles une île pour prendre possession de la rune en question. Et là, j'ai possession de la rune parce que euh, les bateaux valent deux. Et je vous rappelle que pour pouvoir contrôler une île, il faut avoir des, des colons dessus. OK. Bon, c'est cool. C'est à lui. Alors, lui, la première chose qu'il va faire. Ah, ben oui, alors ça va me permettre de vous présenter ça. Donc, il va. Euh, il va commencer par se donner des ressources. Donc là, ce qu'on fait, il se donne trois ressources. On y va dans l'ordre de haut en bas. Donc, première ressource, je le bouge. Et là, je vais essayer de vous montrer peut-être la carte un petit peu plus proche pour que vous puissiez, euh, puissiez suivre un petit peu l'évolution. Je vais vous montrer ça de plus proche. Là. OK. Donc. Ici, je commence par bouger mon métal de 1. Il n'y a pas d'action dessus, donc je ne fais rien. Je bouge mon bois de 1. Et là, on voit qu'il y a une action dessus. Okay? Et c'est là que je vais le faire tout de suite. Et je vais tout de suite bouger mon. En théorie, il faudrait que je le fasse après, parce que s'il y avait une action, il faudrait que je le fasse tout de suite après. Mais là, je vais bouger mon blé. Alors, c'est ça les trois, euh, donc les trois mouvements que je fais pour ce qui est de la, de, des ressources. Et là, la seule action que j'ai, c'est l'action du bois. Qui est, si ma mémoire est bonne, quelque chose qui n'est pas le fun. Euh, puis c'est ça que des fois. Donc là, c'est-tu l'action avec les petits bateaux Non, non. C'est l'autre. Alors, je dois bouger le bateau du chef. Euh, across its connected ferry route to the dock of the opposite island. If there's no island. OK. Donc là, c'est là, là qu'il va bouger comme ça, puis aller se, ra se ramasser ici, avec son action. C'est comme ça qu'il bouge. Donc là, ça, lui, il donne deux influences aussi. Est-ce qu'il peut faire l'action maintenant Donc là, on a fait toutes les actions en lien avec les ressources. Est-ce qu'il peut faire l'action qui est là Non, il n'y a pas deux runes. Oui, il y a deux runes n. Ben oui, ben oui, ben oui. Ah, donc là, étant donné que c'est une action de base, les actions de base qui sont euh, qui sont de bouger, d'aller de chercher des ressources, euh, de déplacer des bonhommes, etc., etc. Mais là, on fait pas ce qui est inscrit là. Donc là, on voit qu'il gagne trois bois. Et là, c'est ça qui n'est pas clair également dans le, dans le livret d'instruction. Il parle que il, il doit faire les actions d'harvest s'il allait a les faire, mais ce n'est pas la même, la même icône. Sauf que les seules icônes qu'il y a dans les actions de runes, c'est le, le, le fameux petit sac. Donc, je me dis que c'est construit comme un une, une harvest. Et là, il va aller chercher trois bois. Donc, là, trois bois un, deux, 3, et là on a une action ici où il va augmenter de 1 sur la furie du, du, euh, de la rune d'île qu'il possède le plus. Et là, étant donné qu'ils sont tous les deux égales, il va monter sur les deux pistes. c'est comme ça qu'il fonctionne. On voit que présentement, Tyr of the Bloodshed, il est vraiment très, euh, très fâché. Euh, présentement, c'est lui qui mène et c'est lui qui va rapporter plus de points en fin de partie. Et là, on arrive à ma quatrième. Et là, ma quatrième, euh, je vais me chercher des ressources parce que j'ai besoin de ressources. Et euh, je pense que je vais faire 1, 2, 1, 2. Deux bois, deux blés. Parce que je veux, j'ai encore du monde à placer. Euh, et en bas, est-ce que j'ai une F Oui. Donc, je vais ramasser une nourriture par, par une que j'ai. 1, 2, 3, 4. 4. Wow, ça c'est quand même cool. Ce qui fait en sorte que je vais changer mon fusil d'épaule et je vais me donner deux, euh, deux métal et 1, 2, 3, quatre nourriture Ça, c'est le fun. Sans oublier que j'ai fait mon harvest ici et je dois absolument. En fait, mon, mon, mon bateau supplémentaire me donne une nourriture de plus. Et ça, l'histoire. Ah, mais voyez-vous, voyez-vous, c'est là que je vois ici que... Euh, c'est là que je vois qu'il y a vraiment un symbole de harvest ici. Donc ça, c'est tu un harvest. Hein? Parce que c'est bien écrit dans le livret d'instruction. Je parle vraiment pour lui. C'est bien écrit dans le livret d'instruction euh, pour ce qui est des euh, des actions. It can perform any of the four main actions, qui est sail, a boat, explore, settle, settler, harvest, or build. Cannot perform any other type of action instead. The enemy perform that room's action listed on its enemy mat. Et là, c'est là que je me demande, parce que si on regarde dans le livret d'instruction, un harvest action, c'est ça le symbole. Et c'est pas le symbole qui est inscrit ailleurs. Je fais une petite recherche, puis euh, je vous reviens. Non, non, je pense que c'est assez clair. C'est inscrit ici, là. On dit ici que les quatre main leader actions peuvent aussi être dans les run actions, mais il y a aussi ces actions additionnelles-là et le collect resource qui est là. Donc, ça, ça veut dire que je vais faire un petit backtrack. Je le sais, ça, ça va faire un peu comme rado. Mais 1, 2, 3, je ne lui donnerai pas ces trois ressources. Et donc, euh, il ne va pas euh, augmenter de 1 sur celui-là et celui-là. Rien que ça. Ça aurait dû être ça, mais à la place, il va faire le F qui est ici. C'est écrit The enemy gains du bois uh, for each island rune it possesses. Donc, il va, il va monter sur la piste du bois pour chaque rune d'île qu'il possède. Et ensuite, and then lose equal to that amount of runes. Et en même temps, après ça, moi, je perds du bois du même nombre. Donc, il va augmenter de 2. Il ne fera pas d'action. Et moi, si vous vous souvenez bien, j'en avais zéro. J'en avais pas avant que je fasse mon action. Donc, je ne pouvais pas aller plus bas que ça. Donc, les choses sont replacées exactement comme ça devrait être. C'est bon, excellent. Moi, j'ai fait mon action. Là, c'est à son tour de faire sa quatrième et dernière action de cette ronde-là. Alors, il va bâtir. Lui, quand il bâtit, c'est tout le temps un bateau. Les seuls endroits où il peut bâtir un, un temple, c'est sur, euh, sur la piste de blé qui est en bas. Euh, complètement au bout. C'est là qu'il va euh, pouvoir donc construire un temple. Alors là, lorsqu'il construit, dans le fond, c'est qu'il va construire sur le même endroit où se situe son bateau. Mais les bateaux du, euh, de l'Otoma vont toujours rester en place ils vont toujours donner leur influence. Et la seule façon pour moi de les enlever, c'est d'aller me docker donc aller m'amarrer dans le port pour pouvoir l'enlever de là. Alors, est-ce qu'il peut faire la rune? Bien sûr. Alors, je vous rappelle que ça, maintenant, il ne le fait pas. Alors, il va faire la rune C. Alors, l'ennemi gagne du blé égal to the rune island. Donc là, il va, il va en gagner deux. Then, you then lose the amandes. Bon, fait que là, moi, je vais en perdre deux. Je vais faire perdre tout de suite les deux. Et là, lui, il va augmenter de... Donc, ici, l'action qui est là, c'est cette action qui est ici. Je vais vous le montrer. Alors, c'est sur la full track. Alors, c'est écrit que je dois rajouter un settler de mon, du clan de Matt dans l'island où est le Chieftain Boat. Alors, il y en a. Il va aller s'installer ici. Il est en train de se positionner beaucoup. Et il va avancer d'un plus. Et là, il va finalement avancer d'un ici et un là sur la piste de nos, euh, de nos amis des dieux. Et là, le tour est officiellement terminé. Alors ce qu'on fait dans, quand c'est la fin du tour, regardez bien, c'est très très simple. Premièrement, on défausse toutes les cartes au grand complet, incluant ceux qui n'ont pas été utilisés par le, 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 par le bot. Ensuite, on descend d'un espace et on va maintenant être rendu, imaginez-vous donc, à la deuxième ronde. Et j'ai décidé que je vais m'arrêter là pour euh, ce premier épisode-là. Je pense que je vous ai présenté pas mal comment fonctionne euh, le jeu en tant que tel. Euh, vous avez eu la base et je pense que pour l'instant, la base elle est bien présentée. Je ne peux pas vous dire si je vais gagner cette partie-là. Je ne peux pas vous dire non plus si c'est bien, euh, c bien euh, euh, si, mettons, ma stratégie est à son maximum. Mais je vous invite à revenir pour le deuxième épisode parce que dans le deuxième épisode, on va sûrement faire nos premiers combats. Euh, c'est quand même assez bizarre que lui n'ait pas bougé beaucoup au niveau de la piste du métal, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais euh, venez, venez euh, suivre mon deuxième épisode pour voir l'évolution de cette partie. Alors abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, ainsi que mon Discord. Allez faire un petit tour chez mon commentaire boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire aussi un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société, et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye.